Salut, moi c'est Juliette. Tu veux devenir un futur infirmier? Je vais te faire partager mon quotidien d'apprenti IDE en fin de troisième année à la résidence Leclos-Rousset de Saint-Marcel-les-Valences, faisant partie du groupe Domus Vie. Allez, viens, je t'emmène avec moi pour la journée. La vérité, c'est que je jongle entre les cours, la pratique, les différents stages, de jour comme de nuit, mais aussi avec mon apprentissage où je passe de la blouse blanche à la blouse bleue. Ça va, c'est qu'un week-end par mois. Au programme, de nombreuses activités, l'accompagnement à la réalisation des gestes de la vie quotidienne, comme l'échange, les toilettes, les douches, mais qui est évidemment ton rôle propre en tant qu'infirmière. Sans oublier le plus basique, la distribution des traitements, les prises de tension. Oh, voilà Michel qui vient nous aider. Il réalisera toutes sortes de soins IDE, allant d'un petit bobo à un gros pansement complexe d'escar. Âme sensible, s'abstenir. Attention à tes yeux. Ah, oups, j'ai été censurée. Mais bon, c'est pas très beau à voir. Bon, à part tout ça, tu dois aussi gérer les urgences, le côté administratif et bien sûr le téléphone. Mais bon, c'est moins intéressant que ça, tu trouves pas? Une infirmière doit être très organisée avec une bonne dextérité. Mais bon, elle a beaucoup de choses dans ses poches aussi. Après tout ça, la poste s'impose. Ah oui, parce que tu as aussi le droit de faire pipi et de manger un bout. Fourni par l'établissement, c'est un véritable régal à la fois pour les yeux comme pour l'estomac. N'hésite pas à aller ajouter nos cuistots sur TikTok, c'est des gars célèbres. Si comme moi, tu aimes les gens, prends de soin d'eux dans toute leur globalité, que tu es empathique, bienveillant, avec la patience et une capacité d'écoute, ce job est fait pour toi. C'est un métier riche autant sur le plan professionnel, humain que personnel. Rempli de valeurs, où chaque jour tu peux apprendre de nouvelles choses. Un métier offrant de nombreuses perspectives et de débouchés, où tu évolueras dans une équipe bienveillante, à l'écoute et soudée, prête à te transmettre tout leur savoir. Tu ne le sentiras peut-être pas très bon à la fin de ta journée, mais le sourire et la reconnaissance de tes résidents restent ta plus belle récompense. Alors, n'hésite pas à nous rejoindre pour acquérir de nouvelles expériences.